Alors, bonjour, je m'appelle Mister V, ou Yvick. Mon deuxième prénom, c'est Odile. Mais mes proches m'appellent également Tom G. Duzor. Et là, ça fait... True story. Je suis né le même jour que Chucky Atkins, un ancien joueur des Detroit Pistons. Personne ne sait qui c'est. Je suis né à Minneapolis en 1957, mais ma ville, c'est Grenoble. Quand j'étais petit, mes idoles étaient Jean-Pierre Chevènement, Stéphane Guivarch et Yao Ming. Et j'écoutais en boucle Jean-Pascal l'agitateur. My name is Jean-Pascal. Aujourd'hui, en tant que puriste, j'écoute principalement du Mister V. Je kiffe Tortoise, Sammy Sisi, Juice. C'est pas mes meilleurs potes, du tout. Vous le savez pas, mais j'ai déjà été attaquant de pointe à l'AS Monaco. J'ai étudié à Harvard quand j'avais l'envie de le faire, finalement. Ensuite, j'ai travaillé dans les abribus, un peu. J'ai bossé dans tout ce qui était abribus de toute la région de la Mayenne. Le nouvel album s'appelle MVP. Il sort le 31 janvier, il y a des feats avec PLK, Dossé, Doul encore. Dans la scène actuelle, je me sens assez proche de Cat des Luna. Mon rappeur préféré, c'est Mos Def. T'es déçu, là, y a pas de vanne. Avec le recul, je pense que mon album W était vraiment le préquel de ce qu'est MVP. Mon quartier préféré à Paris, c'est la banlieue, parce que c'est là que je vis. J'ai des talents cachés comme quand je fais le plein, j'arrive parfaitement à m'arrêter sur le prix que je veux. Mon plat préféré, c'est les chips. Mon plaisir coupable, c'est tuer des gens. J'ai la phobie de certains mots. Rondin de bois. Mon signe astrologique, c'est le lion. Une de mes vidéos humoristiques dont je suis le plus fier, c'est Rap versus Réalité 2. Les réseaux sociaux sont... des sites internet et également des applications pour moi. Les commentaires, je les lis, mais surtout ceux sur Facebook. Voilà, mon interview True Story est terminée. Je pense que j'ai dit au moins... Faut dire des conneries dedans. J'ai pas dit de... Bah non, là, je suis en mode rap sérieux, faut plus que je fasse de blagues, là. Non, moi, je peux pas faire de... Non, vous avez vraiment dit... Je dois dire des conneries, en fait.